très bien. J'ai juste ouvert les yeux, c'est tout. Je ne vais pas te laisser tout gâcher, tu m'entends? Pas question! Tu feras ce que je te dis de faire! Non! Je ne suis pas prête de t'écouter à nouveau! Reviens ici! Pouah! Et bonsoir à tous et bienvenue dans le 6e épisode de Nancy Drew. Ouais, c'est ça, la créature d'équipe Cave. Vous l'avez vu, donc, au moment où je suis parti à la pêche, ils sont engueulés les deux. Donc visiblement, il y a Anguille sous roche, hein, comme je vous le disais. On va aller voir Poua, voir ce qu'il y a de plus. Alors en ce qui concerne les graines avec Nancy, j'y arrive pas. C'est n'importe quoi, donc à mon avis, il manque un truc. Hey, comment ça va ? C'est vrai que vous allez m'acheter ces poissons ? Donc évidemment, j'ai pêché. J'ai fait une pêche très fructueuse. Parce qu'elle va me rapporter... Allez, 16 et donc 17, 17 et 19, 19 et 20... 39 pièces. C'est très honnête. Ok, autre chose ? Alors. C'était une sacrée dispute que vous avez eue avec votre père. Vous nous avez entendu ? Je crois que tout le monde à des kilomètres à la ronde vous a entendu. Des fois, mon père se conduit comme un vrai loser. Le mien, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a fait ? Si on parlait d'autre chose, d'accord ? Non ! Je repasse plus tard. Faites-moi signe quand vous voulez réessayer de surfer. Hélas. Bon, et il dit quoi, lui ? Hey, comment ça va ? Vous connaissez un certain Johnny Couteau ? Jamais entendu parler. Vous pensez que Poua le connaît ? Elle est peut-être sortie avec lui ou quelque chose. Pourquoi cette question ? Je crois que ça pourrait être lui qui a assommé Joe. On joue à Kojak, hein ? Eh bien, j'aurais aimé savoir quelque chose sur ce couteau, mais je ne le connais pas. Je suis curieux de savoir quel est votre parfum de granité préféré. J'ai une idée. J'ai un petit creux, alors je vous propose une devinette. Mais vas-y. Préparez-moi un granité et apportez-le-moi. Si c'est le parfum ou la combinaison de parfums que je préfère, je vous le dis. Sinon, eh bien vous n'aurez qu'à continuer à en faire, jusqu'à ce que vous trouviez. Vous ne préférez pas juste me le dire ? Comme je le dis toujours, un client occupé est un client heureux ! Ouais, mais je suis déjà occupé, donc arrête de me saouler. Je suis déjà très heureux, ça s'entend pas, là ? Bon, alors... En plus, ça me coûte de l'argent, mais oui ! Ananas ? Non. Ananas... Ananas, noix de coco. Raisin. Et voilà. Donc je vais apporter ça à Big Island Mike, espérant que c'est son parfum préféré. Tintin de me donner des vrais indices, c'est pas juste me dire non. Il vous faut autre chose ? Goûtez-moi ce granité. Voyons ça. Je n'aime qu'un seul de ces parfums. Essayez encore. Pas mal. Pas mal, pas mal. Déjà un bon pif. Un bon pif. On a un des trois qui est bon. C'est un mastermind en fait. Mais si c'était dans cet ordre là, genre il y en a un là, un là, un là, ça serait bien. Mais je suis pas sûr. Bon, on va partir du principe que le raisin était bon. On va foutre noix de coco. Non, j'ai déjà mis. On va foutre banane. Pastèque. Fini. Il vous faut autre chose ? Encore un granité pour vous. Voyons ça. Ça va être long. Non, je n'aime pas ces parfums. Essayez. Bon, ok, c'est cool, ça m'en élimine 3. Ça m'élimine 3 choix qui étaient... Bah, ces 3 là d'ailleurs. Voilà. Raisin, banane, pastèque, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Bon, ok. Truc, je sais pas ce que c'est. Noix de coco. Truc, je sais pas ce que c'est. Je vois pas les images. C'est un citron, ce truc-là ? C'est une mangue en bas ? Je sais pas, j'arrive pas à voir, c'est trop moche. Il vous faut autre chose ? Encore un granité pour vous. Voyons ça. Il y a deux de mes parfums préférés. Essayez encore. Pas mal. Bon, il est hautement inutile pour moi de faire les trois là, hein, parce qu'évidemment la réponse sera un seul de bon. Donc, il faut juste que je trouve lequel. Déjà, lequel est pas bon là-dedans. Moi, je pars sur noix de coco et bon, parce qu'il y avait déjà un bon tout à l'heure, donc on va dire que c'était lui. Donc, on va partir aussi sur ananas faux. Donc, il y en a un des deux qui est faux, là. J'ai encore 8 essais, sinon il va falloir que je repêche. On va partir du principe que notre coco il est bon.
Lui, il est faux. On va tenter le vert. Ça devrait aller. Voyons si ça, c'est le parfum préféré de Big Island Mike. J'y crois. Encore un granité pour vous. Voyons ça. Il y a deux de mes parfums préférés. Essayez encore. Ça pourrait. Alors là, le problème, c'est que ça m'aide pas du tout. Parce que ça pourrait être ça. Comme ça pourrait être ça. Voilà. Donc pour tester, bah, j'ai pas le choix. Je vais remettre ça. Et ça. Ça devrait aller. Voyons si ça, c'est le parfum préféré de Big Island Mike. Il vous faut autre chose ? Encore un granité pour vous. Voyons ça. Je n'aime qu'un seul de ces parfums. Essayez encore. Oh. Ah ouais, donc en fait... c'était ça ? Ça se trouve, je me suis gouré sur notre coco depuis le début. Souvent comme ça, hein, je pars sur un principe en disant c'est sûr, c'est ça, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est bon, t'es content ? Voilà. C'était ma combinaison de parfums préférés : citron vert, noix de coco et mangue. Je l'appelle Oni Awa. En hawaïen, ça veut dire baiser assis. C'était un plaisir. Y'a pas de quoi. J'espère que j'aurai pas à me souvenir des goûts. Uni Awa. Ouah. Donc ouais, j'ai bien fait de pas m'acharner avec Joe, hein, parce que si ça se trouve, Oni Awa, je l'ai écrit, ça a même pas marché. Ce genre, tu vois, encore une débilité. C'est style. T'as trouvé le bon nom, mais comme par hasard. Là ça marche pas. Et là ça marche. Waouh, quel drôle de tête. On dirait que c'est un rapport avec l'entrée de ce hall. Je ne l'ai jamais vu là. Mais peut-être que Nancy saurait. Ah carrément. Allô ? Salut Nancy, c'est moi. Écoute un peu ça, je viens de découvrir un truc bizarre et je me suis dit que tu saurais peut-être quelque chose. Ça me ferait plaisir de t'aider. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un dessin de ce visage avec des animaux sur les dents. Quel type d'animaux ? Eh bien, il y a une anguille, une tortue, un requin, une raie manta, un poisson-boule, une pieuvre, un crabe et un oursin. Ça me dit rien, mais je vais tâcher d'ouvrir l'œil, ok. Je n'en demande pas plus. Merci, Nancy. De rien. À plus. Pourquoi on est repassé là, là ? Non mais le jeu, si je t'emmerde, tu me le dis. Allô ? Salut Franck, c'est moi. Tu te rappelles quand tu demandais si tu pouvais faire quelque chose pour moi ? Tu as changé d'avis ? Non, pour l'instant ça va. Bon, si tu changes d'avis, fais-le moi savoir. Promis. Salut. Putain, mais je veux dire, ce que je viens de trouver là, c'est la carte des courants. Elle m'a parlé de la carte des courants là. D'accord. Elle me parlait de la carte des courants, on voit bien là, il y a l'eau et les courants marins, donc il va bien falloir que je passe parmi les courants marins pour trouver la porte du hall, enfin, ça me paraît logique, quoi. Qu'est-ce que t'appelles Nancy ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Là, tu mets ta combinaison et on y va. Avant ça... Impossible. 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 Je vais tester un truc, mais apparemment non, hein. Parce que je me suis dit, au pire, il faut que j'appelle Nancy pendant que je regarde la flore hawaïenne. Et là, il va tout me donner et j'en ai pas à faire, tu vois. Mais apparemment, non. Donc, bon. Sauvegardons la créature. Et allons faire de la plongée. Est-ce que je pourrais louer de l'équipement de plongée ? Si vous avez $30 de Big Island, vous pouvez. Voilà. Et voilà. Ce sac étanche est génial. Je peux emporter mes vêtements dans l'eau. Autre chose ? Non. À bientôt. Faites-moi signe quand vous voulez réessayer de surfer. Par contre, c'est par où ? Non, faut pas que je me jette dans l'eau. Ah, par là-bas, évidemment.
Ouh, ça sent pas du tout l'emmerdement, ça. Parce qu'en plus, c'est une réserve à coquillages. Et pourtant, je trouve que des coquillages communs que je trouve déjà en haut, mais bon. Ah, celui-là, je l'avais pas. Là, je dis d'accord. Par contre, payer 30 balles... Si je dois louer à chaque fois le truc et payer 30 balles pour ramasser des coquillages qui, au pire du pire, m'en rapporteront 10, si j'y gagne pas grand-chose. Oh, putain. Mais s'il y a des chemins différents, là... Une tortue. C'est pas le moment d'ouvrir ça. Oh non, mais oui, bon, ça réagit une certaine logique, je sais, tu peux pas ouvrir une carte sous l'eau, je comprends. J'ai sauvegardé quand ? Avant de payer. Hey, comment ça va ? Est-ce que je pourrais louer de l'équipement de plongée ? Si vous avez 30 dollars de Big Island, vous pouvez... Voilà. Ok, faut que je retienne l'ordre. Ce sac étanche est génial. On a vu une tortue. Je peux emporter mes vêtements dans l'eau. Autre chose ? Je repasse plus tard. Pas de soucis. Alors, vas-y, vas-y, alors, tortue, tu vois, il y a une tortue, il y avait bien une tortue, donc on va noter l'ordre, donc il y a une anguille, bien sûr, un requin, walking, et tortue, bien sûr, tortue, une pieuvre, et un poisson. Que je te dise, c'est quoi ce truc? Un poisson chat peut-être? Non, pas du tout. Je sais pas. Un crabe. Gna, un crabe. Un ours. Une raie. Manta. Bien. Oui. Ça me sera sûrement très utile. C'est quand même si on est dans le jeu, dès que tu trouves un indice, tu es obligé de tout noter. Mais c'est pas grave. Évidemment, je me fais chier à ramasser les coquillages aussi. Mais genre, j'avais rouvert la même. Ah, par contre, voilà, je trouve plus les coquillages rares que j'avais trouvé tout à l'heure. Évidemment. Alors, à droite, j'avais trouvé tortue. Qu'est-ce que je trouve à gauche? Cette anguille n'est pas commode. Risque pas de suivre cette carte des courants avec ça dans les parages. C'est-à-dire que si j'y retourne, je meurs. C'est ça? Oula! Wow! Cette anguille n'est pas commode. Ah ouais. Wow! Cette anguille n'est pas commode. C'est tout? Cette anguille n'est pas commode, mais je veux voir, je veux la mort de Franck, non? Cette anguille n'est pas commode. Quel manque de fun. Bon bah anguille, c'est le premier que j'ai noté. Bon bah si anguille sous roche, on continue. Or là, il y a tortue. Et moi, entre anguille et tortue, j'ai requin. Or, il n'y en a point de requin, là. Peut-être c'est une vraie tortue qui... Mais c'est une vraie tortue, qu'est-ce que je chie, moi. Là, j'ai anguille, tortue. Admettons. Ah, mais arrivé ici, c'est mort. Mais pardon. Attends, mais... Une fois arrivé à la tortue... Y'a rien. Donc, en fait, juste, je suis venu ici pour me faire dire que la anguille, elle est pas commode et qu'il va falloir que je lui trouve quelque chose. C'est ça, le jeu? C'est ça, le jeu? Il va falloir que je ramène un colis hawaïen?
C'est une jolie touriste, c'est ça, la anguille? Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Ouais, j'avais pas su. Ah, mais ça va, si tu gardes la combinaison à chaque fois. À moins qu'il faut peut-être pas que je reparle à Poua. Sinon, elle va me dire, ah, pep, monsieur. Quand je pense à quel point je me suis fait chier à ramasser des coquillages avec Joe, alors qu'en fait, bah, c'est avec Frank que tu ramasses les coquillages les plus intéressants, je suis ravi. Bon, t'as un mot à dire sur l'anguille? Comment ça va? Non. Je repasse plus tard. Amusez-vous bien. C'est rien à me dire sur l'anguille, c'est le problème. C'est un problème. Hey, comment ça va? C'était un plaisir. À plus. T'as une anguille pas commode, et alors? Je sais même pas pourquoi j'ai mis un dollar là. Je voulais voir les animaux, mais il y en a pas. Je rejouerai jamais à ça. Il y a des masques ici. Toujours pas. Il y en avait un ici peut-être, le masque bleu qui aurait servi à taper de nom. Le wiggly. Point 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 point. Est-ce que je pourrais éventuellement plonger ailleurs? Non. C'est bel et bien dire que l'anguille, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est fort boyard ce jeu. Wow! Cette anguille n'est pas commode. Fais gaffe, je suis pas commode. Faut que je réveille la tortue peut-être. Non. Ouais, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, bah c'est bien. Encore une fois le jeu qui me montre quelque chose et qui me dit bah en fait non. Commode. Fais gaffe, je suis pas commode. Oui, je viens de le dire. Bon, allez, c'est bon. J'ai compris. Mais, alors, j'ai beau avoir compris, il y a un truc qui me dérange. C'est que si je suis censé faire les graines de Nancy là, comme ça, tout de suite, ça marchera jamais. 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 Alors, oula, si ça rien passé depuis oula, si j'ai perdu un bal. Bon. T'as d'ailleurs j'ai plus de j'ai plus d'hameçon. Enfin j'ai plus d'appât. Donc il va falloir que je tapine encore pour des coquillages. Super. Bon, appelons Nancy. Hein. Impossible. Ah ouais, c'est vrai. Il va pas répondre. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Laissez un message après le bip. Bonjour Johnny. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez mon frère. C'est lui que vous avez assommé chez Big Island Mike. Je sais ce que vous manigancez tous les deux. Si vous êtes malin, rappelez-moi. 280, 555, 72... Ouais, alors lui, niveau finesse... Ah ouais, niveau finesse, il est entre Derek et Navarro, quoi. C'est bravo, hein. Bon. Appelons Nancy Drew. Allô? Comment ça va? Ça va. C'est juste pour dire bonjour? Juste mais dire mec, bonjour. Aide-moi avec la flore et la faune de mon cul, là. Putain, le jeu, il a pas prévu ça? Mais c'est dégueulasse. Je suis pas censé tout deviner, quoi. Noter et identifier. Il y avait une deuxième page, il y avait une deuxième page, comme d'habitude, j'avais pas vu. Je vais devoir identifier les plantes qui sont à côté des pièges. Oh. Bah oui, non, si. Il y a. En fait, à chaque jeu, je vais le faire, ça. À chaque jeu, je vais faire cette connerie de pas tourner une page. Putain.
Et encore un truc qui m'énerve, c'est que, c'est-à-dire que quand Nancy voyait la page d'avant, elle était là en mode, je sais pas. Elle savait pas. Et maintenant qu'elle a vu ça, je vais appeler Franck et il va dire, ouais, alors t'inquiète, j'ai vu la flore, alors en fait, le poids quoi, c'est ça, et tout, et tout. Psst. Mais, en effet, là, vous pouvez me dire, Dr. Kim me l'avait dit. Ça me revient maintenant, elle avait dit, vous avez qu'à suivre mes notes, tout était écrit dessus. J'avais oublié. Bon, alors, note pour plus tard, deux pièges, vert et orange et la grotte Capou. Tiens, on a des coordonnées, mais super. 19, 20, 30. Ah, c'est ouest, ok. 19, 20, 30, 155, 05, 33. Pour trier et relever le contenu des pièges, trouver le piège, vider le contenu, sachez la couleur, noter, identifier la flore environnante et relever le code dans la grille d'analyse sur la tablette. Référence code, oui, mais pourquoi t'as noté ça là alors que tu l'avais déjà noté ici? Si tu l'avais pas noté ici et avec code végétation, j'aurais peut-être cherché, j'aurais peut-être trouvé ça. Admettons, placer le contenu du sac sous le microscope, retirer et classer tous les éléments non excréments. Voilà. Voilà. Graines, bout d'insectes, noter le poids de l'excrément et ah, il faut le noter. Et noter dans la grille analyse sur la tablette. Noter le nombre de graines et noter dans la grille d'analyse. Déterminer le nombre de prédominance détritus et noter dans la grille d'analyse. Plus nombreux. Deuxième plus nombreux, bout d'insectes. Moins nombreux, graines. Prédominance détritus. Ok, ça va, c'est facile. Répéter les étapes précédentes pour les 6 pièges. Super. Une fois la grille d'analyse complétée, insérer la tablette dans le calculateur d'analyse. Pardon ? Analyse des échantillons. Pour analyser le contenu des bocaux d'excréments, placer l'échantillon d'excréments dans un tube à essai vide. Bon, c'est pour après. Ça c'est pour après. Redonne-moi les coordonnées. 20, 30. Non, il manque un truc là. C'est toujours 19 en fait. 19, 20, 30. 155. C'est toujours 155 d'ailleurs. Donc 19, 20, 30. 5, 3, 33. 19, 20, 30, 0, 5, 33. Oui, je le répète. Ouais. 19, 20, 30, 0, 5, 33. 19, 20, 30, 45, 33. Évidemment. Voilà. Bien. Quand tu veux. 19, 20, 30, 40. Non, 0, 5, 33. Bili, 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 bili. Putain, sérieux, allez, allez, accouche. Et allez, on est parti à la brode Capu. Hommage à toutes les capucines hein, qui vont s'entendre dans cette vidéo. En général, bon alors peut-être pas toutes apprécient ce surnom, mais en général le surnom de capucine c'est Capu. Donc, vous allez l'entendre beaucoup. Faudrait peut-être que je dise Capu. Ce sera... Il n'y aura que Étienne qui sera pas content. Étienne Capou. On le salue, hein, s'il nous regarde. Qu'est-ce toutes que cela ces toiles. Je me demande ce qui les a faites. Et aussi pourquoi il y en a autant. Je me demande à quoi rime ce bonhomme. Et tous ces animaux sur ses dents. Donc en fait, Michel Forever, là. Franck, voilà. Michel Forever Franck. Il peut pas rejoindre le truc via les courants. C'est Nancy, en fait. C'est Nancy qui a accès au hall. Attends, parce que là, on découvre un peu trop de trucs. Alors, attends. Voilà, attends. Bon. Eh ben... Je peux pas appuyer dessus. Ok, à tous les coups. Tu vas voir. Quelque chose d'autre doit aller là. Ah, il manque quelque chose. Les clés. Quelque chose doit aller là. Mais quoi? D'accord, quelque il manque un truc et après je pourrais bouger. Mais d'accord. Quoi? Dans ce cas-là, je veux bien. Parce que si c'est un truc du genre, je peux rien toucher. Mais que plus tard dans le jeu, elle va appeler Franck, il va lui dire mais touche. Et là, elle pourra toucher. Ça va me gonfler, mais alors. 100 000. C'est ma voiture qu'on voyait. Bon, au moins j'ai tout ramassé. La grotte Capu, c'est fait. Allez, on repart au
campement. Quigley. Bien, c'est l'heure de compter. Oui, bien sûr, j'ai rien mis. Bon, bah, commençons par rouge, bien sûr. Donc. Eh ben, alors, on va enlever. Voilà, s'il te plaît. On va enlever tout ce qui est excrément. Alors, qu'est-ce qu'on a de... D'accord, donc les trucs ronds. Rien de similaire. Des trucs comme ça. Des trucs... Ça m'a l'air reconnaissable. Genre ça, tu vois. Non, je devrais faire l'inverse, en fait. Parce qu'ils m'ont dit de peser les excréments, si je ne m'abuse. Mais ça, c'est des coquillages, on est d'accord? Qu'est-ce que ça fout, là? Et des ailes. Commence pas à me faire chier parce qu'il n'y a pas la place. C'est bon, quoi. Mais range, allez, tu le mets où tu veux, mais n'importe où. Jeu qui fait place d'aucune liberté. C'est gentil. C'est un bout d'insecte, ça? C'est carrément une grenouille. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Ça en est, ça? Il en est, ça? Ça m'a pas l'air, tu vois? C'est un bout d'insecte. C'est un bout d'insecte, ça aussi. On est d'accord, moi j'ai que du... Oh non, bah alors... Non, mais alors là, le jeu va se faire mettre. Mais clairement, quoi. Dis-le tout de suite. Tiens, j'ai envie d'aller me faire foutre. Ah oui, parce que c'est poids excrément. Eh oui. Voilà, alors, dis-le clairement, le jeu. Je suis un connard. Tu peux pas regarder dans ton truc... Parce que ça reset tout. Donc faut tout faire de tête. Merci. Comme ça, si j'ai un doute sur un truc... Voilà, faut que je note deux trucs. Voilà, c'est très gentil. Hein. J'adore ce jeu. C'est la passion. Passion insecte. T'auras beau mettre toutes les musiques joyeuses que tu veux, ça fera pas passer le moment. Ça reste chiant. Donc on a un 99, c'est pas le même chiffre que tout à l'heure, non? Bon. Ok, rouge, on a un 99, qu'on va noter immédiatement. Je sais même pas pourquoi je l'ai noté sur mon papier au lieu de le marquer là-dessus, mais bon, laisse tomber. On a un 99. Attends, il veut que je compte le nombre de graines? Ça va être facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'en est ça? Tu peux pas savoir. Voilà, je peux pas savoir, donc voilà. Bon, on va dire que 12. 5, 4 et 4. Et 4, 12. Ok, 12. 314, donc j'enlève à 616, j'enlève les 314 de merdier qui restent. Ça nous fait que les graines pèsent 302. J'ai 302 de graines. Maintenant, tu veux que j'écrive quoi? 12 ou 302? On sait pas. Admettons, et après? Hein? Notez le nombre de graines. Le nombre de graines. Ils auraient mis le poids. Déterminer le nombre de prédominance, fais voir. Plus d'excréments, plus de bouts d'insectes, moins nombreux.
Ah ouais, donc faut que je compte chaque truc. Même les excréments que j'ai pas compté tout à l'heure. Bon. Alors les copains, on va s'arrêter là-dessus. On va faire ça dans le prochain épisode. Ça va être casse-couille au possible, mais vas-y. Seulement, ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire une capture d'écran de ça, là. Parce qu'il est hors de question que je retienne tout. De toute manière, je n'y arriverai pas. Donc, je vais faire une capture d'écran, je me la mettrai sur un autre écran à côté, et on verra après, parce que là, c'est pas possible. Ça l'est pas. Donc la bise, et à la prochaine pour du tri de bouts d'insectes, ça va être génial.